Bien, maintenant que l'enregistrement est supposé fonctionner, encore une fois, bonsoir. Et nous abordons ce soir la paracha Troukat et nous allons l'étudier au travers d'une sikha du Rav Tzvi Yehuda. Je commencerai malgré tout par une remarque, je dirais ponctuelle, sur le début de la paracha et le commentaire bien connu de Rashi, qui provoque souvent certains malentendus, disons. Et donc, pour étudier un petit peu cette question, nous allons précisément passer dans un instant en mode de partage d'écran pour pouvoir suivre ensemble et le verset de la Torah commenté par Rashi et son commentaire. Alors, une seconde. Bien, et donc, partage d'écran. Wow. Je suis obligé de diminuer un petit peu ceci. Bien. Et donc, voilà, vous avez sur le côté droit le texte du Chumash. Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aharon les morts. Zot rukat haTorah asher tziva Hashem lemor daber el bnei Yisrael veyikru elecha fara aduma tmima asher en bamum asher lo ala aleha ol. Et donc nous allons laisser de côté pour l'instant en tout cas la difficulté de la formulation du verset qui n'est pas habituelle. Le texte habituel auquel on aurait pu s'attendre, c'est Vaidaber Hashem el Moshe ve el Aaron les morts, Dabrou el Bnei Israël les morts, Kehu, etc. Et donc, il y a la première difficulté, c'est Vaidaber Hashem el Moshe ve el Aaron les morts. Zot rukat haTorah, à qui sont-ils supposés parler pour dire Zot rukat haTorah? Asher tziva Hashem les morts, que Dieu a ordonné en disant, parle aux enfants d'Israël et ils prendront vers toi une vache rouge, on traduit habituellement par rousse, temima, entière dans sa couleur, Asher en bamum, sans défaut, Asher lo ala aleha ol et qui n'a pas porté le joug, c'est-à-dire qui n'a jamais servi, au sens simple du mot servir, à quoi que ce soit d'autre. Et le commentaire de Rashi, bien connu, nous l'avons du côté gauche ici. Et il commente l'expression Zot Chukat HaTorah. Il écrit Le fiche ha-Satan de Umot Ha-Olam Monin et Israël Lomar Maha Mitzvah Hazot Umata Amishba Le fichar Katavba Chuka Gezerahi Milefanai En Lecha Reshut Le Harher Achareha. Oui. Première difficulté que je voudrais soulever dans le commentaire de Rashi et qui est l'une des premières causes
du malentendu, c'est que très souvent, à la manière dont on entend citer cet enseignement de Rashi, c'est comme s'il avait écrit le fiche à Satan, vous motaola, monin et Israël, les morts, maha mitzvah hazot, mata amishba. Autrement dit, que la remarque, plus exactement, parce que monin et Israël, c'est en quelque sorte comme une mise en demeure, provoque Israël en disant qu'est-ce que c'est que cette mitzvah et quel sens a-t-elle. Par conséquent, il a écrit qui ? Eh bien, celui qui dicte la Torah à Moïse, c'est-à-dire Dieu a écrit dans sa Torah, à propos de cette mitzvah, le terme de « chouka » pour exprimer le fait que « gzerahi milefanai » c'est une décision que j'ai prise, « ve'en lecha reshut leharher achareha » et tu n'as pas le droit de la discuter. Mais en fait, ce n'est pas exactement cela que dit le commentaire de Rashi. Le commentaire de Rashi est beaucoup plus direct et beaucoup plus précis parce qu'il dit, étant donné que le Satan et les nations, et étant donné que le Satan et les nations, ça forme un pluriel, En lecha reshut, ça devrait être un pluriel, en lachem reshut. Ce qui laisse entendre que, en fait, le Satan et Umot Haolam, ça représente une unité. Ce n'est pas le Satan d'une part et les nations du monde d'autre part, mais le Satan, en tant qu'il est en quelque sorte, le représentant collectif des nations du monde. Ce sont les nations du monde qui s'expriment à travers cette intervention du Satan. Monin et Israël, l'omar maha mitzvah hazot umata mishva, c'est qu'il y a de la part du Satan et des nations, en quelque sorte une mise en demeure, comme je disais tout à l'heure, une mise en demeure d'Israël d'avoir à dire que Israël dise Maha mitzvah azot, qu'est-ce donc que cette mitzvah, ou ma ta'am yeshba, et quelle signification a-t-elle, quel sens a-t-elle, et par conséquent, tout se passe comme si, pour empêcher le Satan et les nations du monde d'intervenir de cette manière provocatrice, le fichar katavba chuka, c'est la raison pour laquelle le texte de la Torah porte le terme de chuka, pour exprimer le fait que c'est une décision de ma part, et vous n'avez pas le droit de la discuter. C'est-à-dire que la Torah a écrit chuka, pour que si les nations du monde et le Satan nous reprochent le non-sens en quelque sorte de cette mitzvah, on puisse leur répondre, c'est une décision de Dieu et vous n'avez pas le droit de la discuter. Et ça ne veut pas dire du tout que nous, Israël, nous n'avons pas le droit de l'étudier. Ils n'ont pas le droit de discuter la chose ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui n'a pas le droit de discuter la chose égoïme, donc, selon Rashi ? Oui, le Satan et les nations du monde. C'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout le fait que la Torah viendrait interdire à Israël toute investigation de cette mitzvah, sous prétexte que c'est une chouka. Mais que c'est au Satan et aux nations du monde que nous pouvons répondre de quoi vous vous mêlez. Mais il y a une précision supplémentaire dans le commentaire de Rashi, c'est que tout se passe comme si, étant donné que c'est Xerahi Milfanaï, ce n'est pas
en quelque sorte le fait qu'Israël aurait à dire, c'est une décision que Dieu a prise. Xerahi milfanav ven lecharushut leharcher achareha. C'est comme si au moment où le Satan et les nations viendraient dire à Israël, mais qu'est-ce donc que cette prétention de cette mitzvah et quel sens a-t-elle, que c'est Dieu lui-même, en quelque sorte, qui répond. Est-ce que c'est clair? Comme disait Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraye. J'ai posé la question de savoir si c'était clair. Oui, justement. Je ne vois pas le livre vraiment. Ce que je comprends, peut-être qu'à partir de là, tu pourras voir où je ne comprends pas, c'est ce que nous répondrions aux nations. Il a écrit Foucault, et c'est un décret de ma part à moi, Dieu, et tu n'as pas le droit de discuter. C'est ce que je viens de dire, c'est que tout se passe comme si c'était Dieu lui-même qui répondait à ce moment-là, lorsque Israël est mis en cause par le Satan et les nations. De manière un peu subreptice, je dirais, de la même manière que le Satan et Umot HaOlam forment une unité, il y a une unité qui est formée par Dieu et Israël. C'est-à-dire que ce que Israël répondrait aux nations, c'est ce que Dieu répond au Satan. La question sous-jacente, c'est de quelle mitzvah s'agit-il? Maha mitzvah hazot umata amieshba. De quelle mitzvah s'agit-il? Et pourquoi la question se pose? Parce qu'il n'est pas écrit ce à quoi on aurait pu s'attendre, zot rukat apara. Vous suivez? Oui. Eh bien, nous allons reprendre donc le commentaire de Rashi avec le commentaire du Or HaChaim HaKadosh sur ce verset que nous allons reprendre. Et le commentaire du Or HaChaim porte sur le fait qu'il est écrit Zot Rukat HaTorah, voilà la Ruka de la Torah. En quoi consiste la Ruka de la Torah? Qu'est-ce que c'est que cette Gzera Milfanai Ve'en Lecha Reshut La'acher Achareha? C'est bien, et le Or HaChaim nous fait lire le Pshat du verset. C'est que la chouka de la Torah, pas la chouka de la para, mais la chouka de la Torah, c'est que Dieu a ordonné de dire « parle aux enfants d'Israël ». C'est ça la chouka de la Torah, c'est d'Aber el Bnei Israël. Et c'est cela que les nations du monde, avec le Satan à leur tête, vient en quelque sorte provoquer Israël en disant « mais pour qui vous vous prenez ?» Eh bien, cette décision de Dieu qui a consisté à se choisir ce peuple et à dire que la Torah et les mitzvot concernent Israël exclusivement et ne s'adressent pas aux nations, bien que, comme nous pouvons le voir à travers le phénomène éditorial qui est cette tentative de Umot HaOlam, d'une manière générale, de s'approprier la Bible,
les Écritures, comme ils disent, eh bien, est sous-jacente à cette critique telle que Rashi la formule. Parce que je pourrais dire d'une certaine manière, à travers une lecture un peu historiographique du commentaire de Rashi, avons-nous trouvé, ou que ce soit dans la littérature des nations, une question de cette sorte posée à Israël à propos de la vache rousse? Moi, je n'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez, vous m'éclairerez donc à ce sujet. Mais je ne connais pas d'instance de question posée à Israël concernant la vache rousse. Par contre, j'en connais énormément de questions posées à Israël concernant leur prétention à être ce qu'ils appellent, eux, le peuple élu. Tov, alors ça c'était un premier point que je souhaitais rappeler. Nous l'avions étudié il y a quelques années déjà, mais je pense que c'est un des points d'étude de cette paracha qu'il est utile à chaque fois de se remettre en mémoire. Et donc, je stoppe ici cette partage d'écran pour en commencer immédiatement une autre et qui va être le texte du Rav Tzvi Yehuda. À moins que vous n'ayez des questions à poser avant que nous continuions. Vous avez indiqué, Rav, que si eux n'ont pas le droit de poser de questions en quelque sorte, ou de commenter, nous pourrions le faire. C'est pas seulement que nous pourrions le faire, c'est le fait que nous avons une quantité de commentaires, aussi bien dans les commentaires classiques de la Torah que dans le Talmud et dans les Midrashim, qui parlent de cette mitzvah. Oui, mais toujours, il y a dans le peuple des synagogues. Excusez-moi, je vais devoir m'interrompre une seconde et quelques pour prendre un verre d'eau, parce que sinon, je n'arriverai plus à parler. Une seconde, excusez-moi.
Bien. Alors, attendez. Je ferme cela un instant. Donc, je reprends la question qui a été posée par Jean-Charles. Le commentaire de Rashi est clair. Ce n'est pas à Israël qu'il serait fait interdiction d'une chakira, d'une analyse, d'un effort pour chercher à percer le secret de ce décret divin que serait la vache rousse. D'autant plus que le commentaire de Rashi est aussi très clair à propos de en quoi consiste cette interdiction. Il est écrit le harher achareha. Que signifie le harher achareha? Eh bien, cela signifie purement et simplement, tu n'as pas le droit de la contester. Or, il ne viendrait à l'idée de personne en Israël de contester la mitzvah de la vache rousse. Certains commentaires expliquent que, étant donné que la vache rousse est une chouka, alors la chouka, ce serait une mitzvah qui, en quelque sorte, n'aurait pas de signification, n'aurait pas de sens. Que la chouka, c'est en quelque sorte, comme on disait en Russie, un oukaz, que ce serait une décision arbitraire de la part de Dieu et qu'il n'y a pas à chercher à comprendre. Et du coup, tous les commentaires qui traitent de la vache rousse, et le Talmud et le Midrash qui traitent de la vache rousse, et y compris ce Midrash qui dit que le sens de la vache rousse a été révélé à Moïse. Et donc elle a un tam, puisque ce tam était connu de Moïse. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'aurait pas de tam? C'est une contradiction dans les termes. Et que le roi Salomon, c'est une analyse sur un verset de Kohelet, vous voyez le Satan qui veut empêcher de parler. Eh bien, le roi Salomon dit « J'ai percé tous les secrets de la Torah, j'ai cherché à savoir celui-là également, et je n'ai pas réussi. Amarti erkema, je vais comprendre la vache rousse, vehi rechoka mimeni, et elle est restée loin de moi. » Et donc cela signifierait, d'après les commentateurs qui prétendraient qu'il n'y a pas à chercher à comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre, que le roi Salomon se serait permis de transgresser cet interdit. Plus encore, il y a beaucoup de mitzvot de la Torah qui ne nous ont pas été présentées à travers le terme de chouka et qui affirment certaines choses. Et on les étudie. Et est-ce que la manière dont nous les étudions, toutes ces autres mitzvot, y compris d'ailleurs celle de la vache rousse, consiste à chercher à comprendre quelle raison Dieu a-t-il eu de décider de quelle manière il voulait que sa volonté soit faite.
Vous comprenez la question que je pose? Et pourquoi est-ce que Dieu a décidé que l'alliance entre Dieu et Israël se faisait par la circoncision? Et pourquoi Dieu a-t-il décidé que la manière dont Israël devait témoigner de la création du monde, c'est par l'observance du Shabbat? Et ainsi de suite. N'y aurait-il pas eu d'autres moyens? Mais la tradition juive ne se pose jamais ce genre de questions. Elle étudie chaque mitzvah pour elle-même. Sa signification, ce qu'elle représente pour nous, la manière dont nous devons la réaliser, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle Rashi explique, la raison pour laquelle il est écrit Chouka, c'est pour fermer la bouche du Satan et des nations du monde, quand ils viennent nous poser la question de savoir mais qu'est-ce que c'est que cette prétention à l'élection, d'après le commentaire du Or HaChaim, sur la raison pour laquelle la Torah s'est exprimée de cette manière inhabituelle. Et alors se pose une question seconde à partir de l'explication. Vous savez que l'une des problématiques de l'étude de la Torah, c'est que chaque réponse à une question fait jaillir une question intérieure à la précédente et qui est mise en évidence par la réponse. Et pourquoi est-ce précisément à propos de la vache rousse que cet enseignement nous est donné? Pourquoi il n'est pas écrit, par exemple, dans la Torah, Vaydaber Hashem el Moshe le mort, Zot rukat ha Torah asher tziva Hashem le mort, Kuchu teruma. Kuchu meitechem teruma l'Hashem. Et il y a énormément de versets. Vaydaber Hashem el Moshe le mort, Zot chukat ha Torah asher tziva Hashem le mort, Kedoshim tihyu. Et on peut multiplier les exemples. Donc se pose la question de savoir et pourquoi la Torah a-t-elle choisi de nous enseigner cette justification en quelque sorte du fait qu'il y a une décision de Dieu que la Torah s'adresse à Israël. Bien, c'est parce que c'est précisément à propos de l'impureté de la mort qu'il y a une différence fondamentale entre Israël et les nations. Pour le dire en termes colloquiaux, le mort juif rend impur, le mort non-juif ne rend pas impur. Tout ce qui est donné, dit, enseigné dans la Torah à propos de l'impureté de la mort concerne exclusivement Israël et pas les nations.
Manitou expliquait cela de la manière suivante, c'est que, comme nous le disons dans la tfila du matin, Elokai neshama shenatatabi torahi. Et au moment de la mort, la neshama pure quitte le corps et il reste le corps impur. Alors que chez les nations, et d'une certaine manière, elles le disent elles-mêmes, en tout cas quand elles le disent, oui, le salut de l'âme. Ce qui indique que dans leur perspective, bien que ce ne soit pas dans ces termes-là que cela est dit, mais c'est dans ces termes-là que cela est dit chez nous, ben chez les nations, c'est le côté spirituel qui est impur. Et à la mort, le côté impur a quitté le monde, et il reste le corps qui est pur. Bon, je pourrais continuer à développer cet aspect de la question, mais ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire dans le cours de ce soir. Donc, je n'ai pas vraiment organisé les idées pour développer ce thème. Mais en résumé, c'est de ça qu'il s'agit. On continue. Oui, on continue. Bien. Alors donc, on continue. Je reprends le texte du... Et donc, Sichot Rav Tzvi Yehuda, Sidra Aleph, Tafshin Lamed Dalet. Tafshin Lamed Dalet, c'est 1974. Vous connaissez la méthode de calcul? Oh, oh. Vous m'entendez toujours? Oui. 1240. Non, c'est pas 1240. Non. C'est qu'on ajoute 1240 à 5734. Oui. Et on obtient ainsi l'année civile, comme on dit, correspondant à l'année 5734. Premier point, Pticha le Knissa la Haaretz. Autrement dit, le Rav Tzvi Yehuda veut nous faire remarquer qu'avec la paracha de Chouka, nous entamons en quelque sorte un nouveau chapitre du livre de Bamidbar. Atkan, jusqu'à présent, la Torah nous a présenté les différentes difficultés intérieures à Israël qui se sont manifestées en chemin. Adkan haya birur asibuchim apnimiyim shebaderer. Le chemin, en quelque sorte, comporte des complications internes. Le fait d'être en chemin va mettre en évidence des problèmes. Et ces problèmes ont été présentés en particulier dans les parachiotes de Beha'alotecha, Shlachlecha et Korach. Mikan ve'elach, à partir de maintenant, Mofim sibuche ha'hitnakshuyot im hagoyim be'derech le Eretz Israël.
à partir de maintenant, c'est un nouvel aspect de la problématique du voyage vers Eretz Israël qui se dévoile, c'est les complications provoquées par la rencontre, et cette rencontre peut être parfois brutale, hitnakshut, collision, im hagoyim, avec les nations. Pour élargir la perspective, Bishmot Vayikra, dans les livres de Shemot et de Vayikra, Asher Inyanam, dont le sujet sous-entendu principal, Sidur HaKviyut HaKlal Israeli, l'organisation de la permanence collective d'Israël. Nous rencontrons donc dans ce livre de Shemot et de Vayikra la paracha de Yom HaKippurim. Yom HaKippurim, c'est Yom HaKapara HaKlali. C'est le jour de Kapara, comment on traduit l'expiation, mais ce n'est pas exactement exact. C'est pas non plus le pardon concernant la collectivité d'Israël. L'Oumadze, en regard de cela, le Sefer HaDerech, dans le livre de Bamidbar, qui est le livre du chemin, le Siyum Chelko Harishon, à la fin de sa première partie, où que Ptira le Inyan Haknisa la Haret, et comme introduction au thème de l'entrée en Eretz Israël, Nimtzet Parasha Shel Taharat HaPrat, nous rencontrons une parasha qui va concerner la purification individuelle. Et il y a renvoi ici à la manière dont le Rav Kook, le père, analyse ce point, dans le Sefer Orot, dans Orot Atriya, les lumières de la résurrection, en quelque sorte, du renouveau, de la revivification d'Israël dans sa dimension collective et nationale, chapitre 35, page 81 de l'édition classique. Il y a toujours un problème qui se pose dans la pagination, dans les références qui sont habituellement données, parce qu'elles ont habituellement été données à une époque où il n'existait qu'une seule édition. Aujourd'hui, il en existe beaucoup d'autres, un certain nombre avec des commentaires, et donc la pagination n'est plus exactement pertinente. Et pour conclure ce premier paragraphe, le Rav Tsiouda va expliquer quel est le sens de la notion de chouka. Que vient exprimer cette notion de chouka? Paracha zo, cette paracha, chouka hi. C'est une chouka. Je ne traduis pas. Ainsi que le texte de la Torah le dit, zot chouka ta Torah. Et que signifie le fait que ce soit une chouka? Eh bien, cela signifie bemuvan shel davar chiyuni ve'echrachi. Chouka, cela vient exprimer le fait qu'il s'agit de quelque chose qui est à la fois chiyuni, vital, ve'echrachi, et nécessaire. Kedei l'harshir et apratim l'eknisa la'aret, afin de préparer les individus à l'entrée en Eretz Israël. Vous voyez que la notion de chouka, présentée par le Rav Tsiouda, exprime à la fois le fait qu'il s'agit de quelque chose qui est indispensable, nécessaire, hechrachi et chiyuni, c'est-à-dire que cette indispensabilité, si j'ose dire,
eh bien, elle est vitale, elle concerne la vie d'Israël en tant que telle, et donc de la manière dont se constitue la collectivité d'Israël par la participation des individus qui la composent. Pour approfondir ce point, deuxième paragraphe, Taharat haklal ve taharat haprat. La pureté de la collectivité et la pureté de l'individu. Ou la pureté de l'ensemble et la pureté de l'élément dans l'ensemble. Première proposition, Ashrina Shura Beklal Israël. La présence divine est présente, repose, Beklal Israël, sur la collectivité ou dans la collectivité d'Israël. Omnam, cependant, Hakedusha Haklal Israélit, cette sainteté globale collective d'Israël, Tzricha Liyot Mukeret Etzel Kol Echad Ve'Echad, exige d'être présente, identifiable Etzel Kol Echad Ve'Echad chez chacun. Et de nouveau, une référence au Sefer Orot dans Orot Israël, paragraphes 17 et 18. Je laisse les pages de côté. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement pour un juif de dire « je suis autant juif que tout le monde ». Il faut que la sainteté d'Israël en tant que Am Kadosh puisse être reconnue comme étant présente chez chacun. Aval yeshnam matzavim mesubachim, mais il existe des situations complexes mesubachim, bahem yehudi ploni, ou tel juif zakouk le tipul ishi meyuchad, nécessite un traitement personnel particulier, que des le afsher hofa'a elohit zo, pour permettre cette manifestation divine chez lui. Taharat aprat, la pureté ou la purification de l'individu, nimshechet mitaharat haklal, procède de la pureté de la collectivité. Que fiche mevo'ar de orot ha-tshuva, comme la chose est expliquée dans cet autre livre du Rav Kook, Orot HaTshuva, Les Lumières de la Teshuva, qui a été en partie traduit par Manitou, dont certains chapitres de sa traduction ont été publiés et l'essentiel reste manuscrit. Sheteshuvat haprat nimshechet miteshuvat haklal, à savoir que la repentance individuelle, teshuvat haprat, nimshechet miteshuvat haklal, procède de la teshuva de la collectivité. Chapitre 4, chapitre 6, paragraphe 1, d'Orot HaTshuva. Hatshuva kolelet et atzibur ve tayechidim. La teshuva englobe, comprend, concerne et atzibur ve tayechidim. La collectivité, la société et les personnes individuelles. Il y a une précision de langue ici que je vais simplement signaler, c'est que ce qui était exprimé à travers la notion de prat jusqu'à présent
est ici formulé au travers du terme de yachid, de yachidim, à savoir la dimension exceptionnelle de l'individualité de chacun. En français, un individu, c'est n'importe qui. Mais le sens de yachid en hébreu, c'est que chacun de ces n'importe qui dont je parlais il y a un instant est unique et irremplaçable. Et donc la teshuva kolelet et hatzibur ve hayachidim, elle concerne aussi bien la collectivité que les individus, que divrei Chazal bemaseret avodah zara, comme le formule l'enseignement traditionnel des maîtres du Talmud dans le traité de Avodah Zara. Le traité de Avodah Zara discute dans ces pages-là, c'est page 5, folio 1, de la difficulté qu'une collectivité pour elle-même ou qu'un individu pour lui-même pourrait avoir concernant la possibilité ou l'efficacité de la teshuva. Sous-jacent à ce problème se trouve le sous-entendu, en quelque sorte, de la difficulté de pouvoir croire que la teshuva soit possible, eh bien, c'est que la stratégie du Yetzer Hara et du Satan, qu'on évoquait tout à l'heure dans notre commentaire, dans notre lecture de Rashi, consiste à vouloir faire croire à ceux qui ont fauté, qu'ils sont perdus. Et s'ils sont perdus, ils n'ont aucun moyen de pouvoir se sauver par eux-mêmes. Il faudrait qu'il y ait une grâce particulière à laquelle, par une certaine participation magique, etc., on arriverait à être sauvé. Et le Talmud dit pas du tout. La Torah, et le terme de Torah étant pris au sens général de l'ensemble du texte biblique, donc le Tanakh, en formulation traditionnelle, nous donne un exemple. La teshuva est possible. David en a donné le témoignage. Le roi David, à travers en particulier le livre des psaumes, mais également des chapitres entiers du livre de Samuel, témoigne de la possibilité que les fautes soient pardonnées et que la teshuva soit efficace. Et le Talmud enseigne cela de la manière suivante. Im chata yachid, si un individu a fauté et qu'il a des doutes quant à la possibilité de pouvoir être pardonné, omrim lo, on lui dit, kler etzel yachid, eh bien, va voir ce qui s'est passé chez un individu, qui? David. Ve im chatu tzibur, et si la collectivité tout entière a fauté, qu'elle ne croit pas que désormais elle serait déchue, omrim lehu, on leur dit, lehu etzel tzibur, eh bien, allez voir l'exemple de la collectivité, c'est-à-dire le fait que la faute du veau d'or a pu être pardonnée. Teshuvat hayachid, ki mitor teshuvat hatzibur. La teshuva de l'individu est un sous-produit, mais le terme n'est pas joli, mais vous comprenez, j'espère. Mitor teshuva tatzibur, la teshuva de l'individu procède du dedans de la teshuva de la collectivité.
d'avarze cette chose-là, nikar b'architectura shel Beit Hamikdash. Je ne sais pas pourquoi le Rav Tzvi Yehuda avait parfois cette tendance à utiliser des termes loasiim, des termes étrangers à l'hébreu, pour comment dirais-je, souligner certaines idées. Ce fait que la teshuvah de la collectivité, que la purification de l'individu procède de la purification de la collectivité, eh bien, c'est quelque chose qui se dévoile au travers de l'architecture du Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash a été construit par Salomon, Beit HaMikdash Nivna al-Yodé Shlomo, le Seder Binyano Nikba al-Yodé Shmuel. Mais l'ordonnancement, le plan, si vous voulez, de la construction du Mikdash a été établi par Samuel. Be'et nidoudé David, au temps des pérégrinations de David, lorsque David devait périodiquement fuir la colère de Saül, eh bien nous rencontrons un verset qui dit, c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 19, versets 18 et 19, Vayelechou, il s'agit de David, et il alla, lui, Ushmuel et Samuel, Vayeshvou Benayot, et le verset continue, et à la fin du verset suivant, nous rencontrons le mot Barama. Donc, pour résumer, nous lisons le verset en faisant l'impasse sur le contenu des points de suspension. Vayelechou, il est allé, lui, David, Ushmuel et Samuel, Yeshvu Benayot, et ils s'établirent à Nayot, Barama, dans la Rama. Et le Talmud a ce sujet, c'est un commentaire donc de la Gemara sur ce verset de Shmuel, qui se trouve dans Zvachim Nundalet Bet. Vous lirez le commentaire, la note par vous-même, je ne lis pas les notes d'une manière générale. Et ça fait partie de votre révision de l'étude, accompagnée de la lecture des notes. Les notes sont en général des notes qui ont été ajoutées à la Sira, éditée par le Rav Aviner, et les notes sont des notes qu'il a rajoutées, qui sont des notes qui sous-tendent ou éclairent le sujet étudié par le Rav Tzvi Yehuda dans sa causerie, dans sa sira. Et donc, de quelle manière le Talmud lit ce verset ? Yoshvin Barama, il réside à Rama, Veroskin Benoyo Shelolam, et il traite de la beauté du monde. Noy, ça veut dire la beauté. Vous rencontrez ce mot plus fréquemment quand on étudie le sujet de la soukha et qu'on parle de la décoration de la soukha, noy soukha, ce qui rend la soukha belle. Et vous le trouvez aussi dans un verset au début du cantique de la mer Rouge, qui dit « Ze Eli ve Annevehu ». Noi, c'est un substantif qui est construit à partir de ce verbe « ve Annevehu ». Très curieux, ce verset exprimerait l'idée « Ze Eli, c'est mon Dieu, ve Annevehu, et je l'embellirai ». Et le Talmud se pose la question, comment on embellit, va embellir Dieu ? Eh bien, « anevehu », cela signifie qu'à chaque fois qu'on peut faire pratiquer une mitzvah de belle manière, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Chacun selon ses moyens, d'avoir un beau talit, une belle mezouza,
de beaux tefillin et une belle table de Shabbat, et ainsi de suite. Il réside à Rama, Veoskin Benoyo Shelolam, et il discute, il traite de la beauté du monde. Et c'est quoi la beauté du monde? Betornit Bet Hamikdash Shenikra Noyo Shelolam. Il s'agit du plan du Bet Hamikdash qui est appelé la beauté du monde. Hatornit Nimshechet Mimekor Anevoa. Le plan procède d'une source prophétique. Keshem Shamalkut Atzma, de la même manière que la royauté elle-même, Nimshechet Mimakor Anevoa, procède de la source prophétique. Lo hamalchut kovarat et haTorah, ce n'est pas la royauté qui décide de la Torah, ela, mais au contraire, hamalchut nimshechet min hanevoa, la royauté procède de la prophétie, vehi achana le hashraat hashechina beYisrael, et elle prépare la possibilité de la présence divine en Israël. Architectura hamedouyeket shel Beit Hamikdash mesuderet kach. Et donc, l'architecture précise du Beit Hamikdash est ordonnancée de telle manière, et il y a ici comme un court-circuit, est organisée de telle manière que le Kohen qui s'occupe de Avodat HaPara HaAduma, et donc là je vais faire un petit, comment dirais-je, petite explication de texte préalable. La vache rousse qui devait être brûlée par le Kohen pour préparer ce qu'on appelle les eaux lustrales, eh bien, elle devait être brûlée sur le mont des Oliviers. Et elle devait être brûlée sur le mont des Oliviers en un emplacement à partir duquel on pouvait voir en ligne directe, en ligne droite, l'entrée du Echal. C'est quoi le Echal? C'est une question que je vous pose, répondez-moi. C'est le saint, ce qu'on appelle le saint. Le saint, là, c'est… Là où il y avait la table, la menorah et puis l'Erem HaPanim. Voilà. Dans la structure, si vous voulez, du Beit HaMikdash, c'est que il y a la cour extérieure où se trouve l'autel des sacrifices. J'aime pas le terme des sacrifices, mais pour simplifier, ainsi que le bassin et qui servait à la purification des mains et des pieds des Kohanim. Et puis il y avait une séparation avec une entrée à partir de laquelle on pénétrait dans le Echal, et le Echal, c'est ce qu'on traduit en français en général par le sanctuaire. Le sanctuaire lui-même est divisé en deux parties. Il y a la partie extérieure du sanctuaire, où se trouvait, comme Joe l'a dit il y a quelques instants, la table des pains de proposition du côté droit, le chandelier du côté gauche, et l'autel d'or, qu'on appelle aussi l'autel des parfums, qui se trouvait au milieu, proche de l'entrée. Et en face de l'entrée du Echal, il y avait l'entrée du Kodesh HaKodashim. Et donc, ce que nous apprenons à propos de cette architecture précise du Beit HaMikdash, c'est que depuis l'endroit sur le mont des Oliviers où on préparait la vache rousse, on devait voir en ligne directe l'entrée du Echal et l'entrée du Kodesh HaKodashim.
Autrement dit, cette disposition dans les deux sens du terme de la Torah concernant la vache rousse nous indique qu'il y a un rapport direct entre la vache rousse d'une part et le sanctuaire et le Héchal. Alors, je reprends la phrase à la ligne 3 de notre texte, page 2. Architectura hamedouyeket shel Beit Hamikdash, l'architecture précise du Beit Hamikdash, mesuderet kach, est ordonnancée de telle manière, shel haKohen hametapel ba'avodat hapara ha'aduma, al rosh har hazitim, que le Kohen qui s'occupe du culte de la avoda concernant Hapara Haduma de la vache rousse, Al Rosh Har Azetim, au sommet du mont des Oliviers, Yuchal le Chaven Mol Pitro Shel Echal, puisse viser à l'entrée du Echal. Hatipul Betihur Haprati, le traitement de la purification individuelle, Narasa Lifne Hashem Mul Har Abayit, se fait devant Dieu, face au mont du temple, Moul Kodesh HaKodashim, face au Saint des Saints, Makor HaKedusha HaElohit Shel Klal Israël, qui est la source de la sainteté divine de la collectivité d'Israël. HaTihur HaIshi, la purification personnelle, Mechuvan le Tihur HaKlal Israëli, et en regard de la purification collective d'Israël, vehu mitbarer mitoch hakedusha haklal israélite, et elle s'éclaire du dedans de la sainteté collective d'Israël. Et puisque nous avons commencé à parler de la vache rousse, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est le sujet de notre paracha, paragraphe 3, la vache rousse. 9h moins le quart. Para aduma hi inyan me'od nistar sheba Torah. La vache rousse, c'est un sujet extrêmement caché de la Torah. Caché, pas incompréhensible. Omnam gam dvarim agodolim shenirim niglim hem nistarim. Encore faut-il savoir, dit le Rav Tzehouda, que bien des choses, de grandes choses qui semblent dévoilées, hem nistarim, sont en fait cachées. Mitor hitgadlut vehitromemut bigdushat haTorah. Du dedans du fait que l'on grandisse et qu'on s'élève en sainteté de la Torah, efshar liskot, on peut obtenir, mériter le Havin, être anistar, de comprendre ce qui est caché. Le Havin est maramake ha psychophysiologia, de comprendre les arcanes, les profondeurs de la psychophysiologie. Le Havin makara la lève, la moach de la nefesh, shel Adam, shel Naga, betumat met. De comprendre qu'est-ce qui est arrivé au cœur, au cerveau, à la personne de quelqu'un qui a été en contact avec l'impureté de la mort. Autrement dit, lorsqu'on dit que quelqu'un est devenu impur au contact de la mort, eh bien, il faut comprendre en quoi consiste cette impureté. Et cette impureté, ce n'est pas une salissure, c'est le fait que quelque chose dans l'intériorité de la personne s'est trouvé affecté. Ce que le Rav a appelé plus haut la chiyuniyut, ce qui fait que quelqu'un est vraiment vivant, a été ébranlé. Et donc, l'approfondissement, mais cet approfondissement
est décrit ici par le Rav comme étant le fait que il y a hitgadlut, on s'agrandit, le hitromemut, et on s'élève dans la sainteté de la Torah à travers la pratique de la Torah et des mitzvot, leur pratique, leur étude. La hitgadlut, cela signifie que l'envergure personnelle s'accroît. Le hitromemut, cela veut dire qu'on se rapproche de la source de la Torah, de l'origine de la Torah, de l'origine, pour parler en termes simples, céleste de la Torah en tant que Torah min hashamayim, et donc de la sainteté de la Torah. Et bien, grâce à cela, et au fur et à mesure de cela, à chacune des étapes de cela, Efchar liskot le havin, il y a possibilité de mériter de comprendre chaque fois un peu mieux et hanistar, ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché? Bien, ce qui est caché, c'est ce qui est à l'intérieur. L'extériorité est dévoilée aux yeux. L'intériorité ne l'est pas. Et en l'occurrence, il s'agit de comprendre ce qui va affecter l'entièreté de la personne, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physiologique. Le havin makara la lève la moar de la nefesh et la dame shenaga betumatme. Et on approfondit un petit peu ce point. Gamba Adam ve gamba behema yesh riyuniyut. Il y a une dimension de vitalité. On va voir dans un instant dans quel sens le Rav l'emploie, chez l'homme comme chez l'animal. Dans le projet divin au moment des six jours du commencement, Dieu dit Totse ha'aretz nefesh chaya le mina behema varemes, etc. Que la terre fasse sortir, produise nefesh chaya, l'être vivant. Je traduis ici nefesh par l'être, à défaut d'une traduction plus précise. Selon son espèce, Behema, Varemes, etc., différentes espèces animales. Et puis, un petit peu plus loin, et on saute sur plusieurs versets, Vayehi ha'adam le Nefesh Raya. Mais en fin de compte, cette Nefesh Raya que la terre n'a pas réussi à produire et qu'il a fallu que Dieu s'en occupe lui-même, Vayomer Elokim na'ase Adam, et puis au chapitre 2, au verset 7, Vayitzer Hashem Elokim et Ha'adam, et Hashem Dieu a façonné l'homme, Afar min Adama, Afar, on traduit par la poussière, mais ce n'est pas de la poussière, parce que la poussière c'est Avak. Et on dit Shoev Avak et on ne dit pas Shoev Afar. Manitou expliquait que Afar, construit à partir de la lettre Aïn, qui est la lettre de la multiplicité, et du radical par Peresh, qui est le radical de la fertilité, Poriut. C'est-à-dire que le Rafar, c'est la dimension fertile de la terre qui rend possible le Perou ou Revou. Et en fin de compte, c'est l'homme qui est devenu personne vivante. Kamuvan, Yeshafrana Benehem. On a dit qu'il y a chiyuniyot aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Bien entendu, il y a distinction entre eux. Il n'y a pas équivalence. Aval mikol makom, kol davar shechay, yeshbo koach Elohi. Mais en tout état de cause, toute chose vivante comporte une dimension divine, une force qui lui vient du divin. Et remarque en passant du Rav Tsiouda, Hamada lo itzliach la redet le soda chaim. La science n'est pas parvenue à descendre jusqu'au secret de la vie.
C'est la raison pour laquelle, soit dit en passant, c'est la raison pour laquelle, lorsque Rabbi Yochanan voyait une fourmi, Haya Mizdarzea, il était en état de choc. Mipne ha'uvda hazot shel chiyuniyut ba'al ha'chaim. À cause de ce fait, de la manière dont il pouvait constater que jusque dans cette créature infime qu'est la fourmi, eh bien, il y a cette énergie de vie. Chiyuniyut ba'al ha'chaim. Ba'al ha'chaim, un être vivant, Yeshlo koach achlata, a une fonction, une faculté de décision, lifnot le khan ou le khan, de se tourner de ci, de là, que dès le hagen al kiyumo, pour défendre son existence, Yeshlo sechel veratson. En ce sens-là, il a intelligence et volonté. Il y a une fourmi qui est en train de marcher. Vous mettez le doigt devant la fourmi, eh bien, elle va décider, est-ce qu'elle va grimper sur le doigt, est-ce qu'elle va le contourner par la droite ou par la gauche. Achiyuniyut hazot, cette vitalité, shehi hidgalut Hashem Elohim chayim umelech olam, qui, si on y réfléchit, c'est moi qui rajoute, si on y réfléchit, si on comprend de quoi il s'agit dans cette vitalité de l'être vivant, eh bien, elle est dévoilement de cette dimension par laquelle on dit un certain rapport à celui qui est Dieu, Hashem Elohim Chaim Melech Haolam. Je ne peux pas traduire, mais je pense que vous comprenez. Hashem Elohim, que Hashem, il est Elohim, Chaim ou Melech Olam, Dieu vivant et roi du monde. Et bien, cette dimension-là, Nimtset Gamken Babehema, elle est présente aussi en l'animal. La Chenaya Rabbi Yochanan Mizdarazea, c'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan était en état de choc. Imken, et par conséquent, Yesh Tzad Meshutaf Mesuyam Ben Ha'adam le Baal Achaim. Il y a un certain côté, un certain dénominateur commun, ben ha'adam, le baal chaim, entre l'homme et l'animal. Au niveau bachiyuniyut, shemofia, bahem, mimakor achaim, dans la vitalité qui se manifeste chez eux depuis la source de vie. Veuillez le itraguer la ouvda madait metsiutitzo. Et il ne s'agit pas de métaphysique. Il s'agit de quelque chose qui est extrêmement concret. Et ce quelque chose de concret mais d'inhabituel, il faut s'y habituer. Yesh le hitragel, il faut s'habituer la ouvda à ce fait madait metsiutit, scientifique et concret, réel. Mais voilà que im adam nivgash im shlilat achiyuniyut im netilat neshama, lorsque l'homme se trouve confronté avec la négation de cette vitalité, le fait que quelque chose soit dans la perspective de shlilat achiyuniyut, que la achiyuniyut a été retirée, im netilat neshama, avec le fait que l'âme a été prise, qui le shonag marab Shabbat, ainsi que s'exprime le Talmud dans le traité de Shabbat, et par voie de conséquence, avec l'impureté, az yesh tzorer shiipagesh im baal chayim, asher kodem la adam. Alors il y a nécessité pour restaurer cette riuniyut, que l'homme rencontre la dimension animale, asher kodem la adam, qui précède l'apparition de l'homme en tant que tel, sheipagesh im kedusha ha elohit
qu'il rencontre la sainteté divine chez Midgalab Pele Achaim, chez le Baalé Achaim, qui se dévoile dans Pele Achaim. Pele, au sens quasi littéral, pourrait se traduire par ce qu'il y a d'extraordinaire. Vous avez ce verset dans Parashat Shoftim, qui palé mimecha davar la mishpat. On s'adresse à un juge et on lui dit, eh bien, si quelque chose concernant un jugement te dépasse, il palé mimecha. Le pele, c'est ce qui fait prendre conscience du fait qu'il y a des choses qui nous dépassent. Elles nous dépassent, mais étant donné qu'elles nous concernent, eh bien, elles ne sont pas en quelque sorte inatteignables, puisque cela se dévoile. Il faut donc que l'homme rencontre la sainteté divine qui se dévoile dans l'extraordinaire de la vie présente chez les êtres doués de vie, que nous appelons les animaux. Kamuvan, yeshnam kol mine behemot. Et bien entendu, il y a toutes sortes d'animaux. Chez le kol ahat mehen, gavan chitsoni shone, qui chacune a une coloration extérieure particulière. Nous allons sauter les paragraphes 4 qui parlent des signes de la pureté des poissons et que vous allez pouvoir lire par vous-même et lire quelques lignes du paragraphe 5. Aduma temima, kemochen, de la même manière, comme il le dit à propos de la pureté des poissons, et des signes de la pureté d'une manière générale. Yeshnam kolmine gvanim etzel bale chayim. Il y a toutes sortes de couleurs chez les animaux, etzel parot chez les vaches, le gvanim ele, et ces couleurs, elles aussi, de la même manière que les signes de la pureté dont il a été question dans le paragraphe précédent que nous n'avons pas lu, mais que vous lirez, eh bien, ces couleurs, tout ce qui se manifeste à l'extérieur, dévoile quelque chose qui vient de l'intérieur. Toutes ces couleurs, hem giluyim shonim shel makor achayim, sont divers dévoilements de la source de vie. Benim hem yuduim lanu, qu'ils nous soient connus, benim enam yuduim, ou qu'ils ne nous soient pas connus. Que shem she'etzel bene adam, yeshnam kol mine gvanim. De la même manière que chez les hommes, il y a toutes sortes de couleurs. Vehine po, tsarich lehofia dafka gavan adom. Or, voici qu'en relation avec cette mitzvah particulière, il faut que se dévoile spécifiquement la couleur rouge. Vehen, et de plus, baal achaim tsarich lihyot betsura shlema. Cet animal doit se présenter d'une manière intègre, sans défaut. Erech baal chayim mofia keshehu shalem ubari. Or, chez l'animal, sa valeur se manifeste keshehu shalem ubari lorsqu'il est entier et sain, S-A-I-N. Temima, et Rashi explique Admimiyuta dans sa rougeur, Asher en bamum, qui n'a pas de défaut, Asher lo ala ale ha'ol, et sur laquelle n'a pas été posé, placé le joug, c'est-à-dire qui n'a pas eu d'autre destinée dans l'existence que celle de pouvoir servir à la purification de celui en Israël qui était devenu impur au contact de la mort. Rav, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette
J'ai pas compris à la lecture, à entendre le Rav Tzvi Yehuda, hein, la notion de rousse. Pourquoi rousse? Il n'a pas expliqué. Oui. Mais il a dit il faut qu'elle soit rouge. Et pourquoi? Eh bien, parce que la. La problématique de comment je vais dire ça le terme me vient en hébreu, je suis en train de rechercher comment dire ça en français. Le fait d'avoir à se mesurer à l'impureté relève de la midat hadin. Ah, ok. Donc, c'est rouge. Il y a encore une autre manière de le formuler. À la page 2b du traité de Kiddushin, le Talmud s'interroge sur la raison pour laquelle la Mishnah dans le traité de Kiddushin dit Ha'isha niknet b'shalosh derachim. Pourquoi elle a utilisé le terme de derech? Et à ce sujet, la Gemara fait remarquer que dans la Torah, le terme de derech peut être au féminin ou au masculin. Jéthro parle à Moïse et lui dit, montreront, ils enseigneront la voie qu'ils doivent suivre. Et à derech yelechu ba. Étant donné que yelechu ba, ça concerne derech, et donc derech est au féminin. Or, la Mishnah a dit shalosh derachim. Et shalosh, ça veut dire au féminin. Et la Gemara s'interroge pour savoir et pourquoi, parlant des drachim par lesquels la femme est acquise, c'est un autre sujet, acquise en mariage, pourquoi cela est exprimé au féminin? Alors que d'où vient l'étonnement? Eh bien, l'étonnement vient du fait que, a priori, kol ha-Torah kula bilshon zachar ne'emra, que la Torah, d'une manière générale, a été formulée au masculin, et qu'il existe également, dans la Torah, des rechs au masculin. Et donc, on aurait pu dire shlosha derachim, mais la Mishnah a dit shalosh derachim, pourquoi? Et la Gemara continue d'expliquer là-bas, Bet Amud Bet de Maseret Kiddushin, que derech au féminin désigne la Torah, alors que derech au masculin désigne la guerre. Et de quelle guerre elle donne l'exemple en particulier? Et bien de la guerre contre l'impureté. C'est bon? Non. Je bois une gorgée d'eau pour vous donner le temps de me répondre. Mais apparemment, une gorgée ne suffit pas. J'ai pas bien compris entre la question du masculin et du féminin pour Derer ou Drachim et la notion de vache rousse. Non, j'ai dit que la vache rousse était rousse parce que le combat contre l'impureté relève de la Midat Hadin. Oui, ça, oui, très bien. Bien. Et j'ai expliqué également que vis-à-vis de l'impureté, eh bien, il n'y a pas d'atermoiement, c'est la guerre.
La guerre, c'est Midat Hadin. Oui. Il n'y a pas de pshara avec l'impureté. Oui. C'est pas clair? Non, ça demande réflexion. Bon. Alors écoutez, compte tenu de l'heure, je vous laisserai la lecture des paragraphes 6 à 10 à votre bon cœur et à votre bonne volonté. Et je vais dire un mot de plus sur la rousseur ou la rougeur de cette vache. Ah, docteur Van Lee nous a quittés. Le Midrash illustre notre sujet de la manière suivante. Et une servante dont l'enfant a sali la maison. Il a fait pipi caca, il a sali la maison. Alors on demande à la mère de venir nettoyer. De la même manière, il y a eu une faute concernant ce que nous appelons le veau d'or, et on va demander à la vache de venir réparer les fautes du veau. L'exemple est amusant, mais totalement incompréhensible. Pourquoi incompréhensible? Eh bien, c'est que de quoi va s'occuper en quelque sorte la vache? Elle va s'occuper d'effacer l'impureté. Mais la faute du veau, d'abord, ce n'est pas le veau, le pauvre, qui l'a commise. Oui. Et d'autre part, elle ne concernait pas un problème de pureté et d'impureté, mais si déjà un problème lié à la relation du peuple au divin. Dans l'histoire du veau d'or, il y a eu faute. Dans le fait d'être devenu impur au contact d'un mort, il n'y a eu aucune faute de commise. Oui. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Chez le Kohen, en plus du fait qu'il est devenu impur, il y a nécessité d'une expiation parce qu'il n'avait pas le droit. Sauf dans des cas particuliers de proches parents. Et encore, ça ne concerne pas le Kohen Gadol. Et donc, de quoi s'agit-il dans ce rapport que le Midrash établit entre la faute du veau d'or et ce que nous appelons la vache rousse? Alors Gérard nous a laissé un message nous disant qu'il était obligé de quitter le cours et donc il est excusé. Eh bien voilà, le récit de la Torah nous explique que la sortie d'Égypte s'est faite Beyat Chazaka ou Vizroa Netuya, par une main forte et un bras tendu. Et on apprend par ailleurs que, je rentre pas dans les détails parce que ça déborde déjà notre sujet,
Et nous savons par ailleurs que ce Zroa Netouya, ce bras tendu, cet Etrazaka, cette main forte, s'est manifesté contre l'Égypte. Or, Yatrazaka et Zroa Netouya contre l'Égypte, c'est la manifestation de la Midat Hadin. Il y a dans le rapport au divin en Israël deux noms particuliers par lesquels se dévoile la divinité de celui qui est Dieu. Il y a le Shem Havaya et le Shem Elakut. Or, que dit le Erev Rav lorsque il fait le veau d'or? Il s'adresse à Israël en lui disant « Ele Elohecha Israël, asher he'elucha me'eretz Mitzrayim ». Autrement dit, une des dimensions de la faute du veau d'or a été de donner une représentation physique à cette mida de la Gvura, de la Midat Hadin. Et effectivement, dans la Merkava d'Ézéchiel, le Shor, c'est-à-dire le taureau, se trouve du côté gauche, parce que c'est le côté de la Midat Hadin, alors que le lion se trouve du côté droit, parce que le lion, c'est l'expression de la Midat Achesed. Ce dont nous apprenons que cette animalité-là, qui est celle du taureau, du veau, de la vache, etc., sont à chaque fois une dimension de représentation de la Midat HaGvura. Or, il y a à la fois la nécessité de Yad Chazaka et Zroa Netouya contre l'impureté, d'une lutte sans merci contre l'impureté, et en même temps le fait que il y a une certaine dimension de possibilité de la manifestation de cette impureté lorsque lorsque s'immisce dans comme a dit le Rav tout à l'heure, dans le cœur, le cerveau, la personne de quelqu'un, et, l'idée de la possibilité d'une dissociation entre la Havaya et la Elakout, de quelque chose qui contredirait l'affirmation « Hashem hu Elohim », qu'il y aurait d'une part « Chalila Hashem » et d'autre part Elohim, et qu'il y aurait là shtei reshuyot, deux souverainetés qui se manifesteraient chacune à sa guise, la mort étant le fait de cette Midat Hadin. D'où le fait que non seulement il faut que ce soit une para qui est en elle-même déjà une des manifestations de la dimension de la Gvura, mais il faut en plus qu'elle soit rouge, c'est-à-dire un peu de manière allusive, ce que nous disons dans la Sfirat HaOmer, Gvura Sheba Gvura. Une dimension de la Midat Hadin au carré, si vous voulez. Mais que, contrairement à ce que laissait entendre une certaine manière d'envisager le rapport à la mort, eh bien, précisément, c'est à travers cela qu'on se purifie, alors qu'il y aurait une tendance à laisser croire que c'est cela qui rend impur.
Bon, je sais bien que je suis dans une pièce de Molière, vous en avez trop dit, madame, ou pas assez, mais Atkan. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Erev Tov, et est-ce qu'il est déjà temps de dire Shabbat Shalom? Shabbat Shalom et Erev Tov.